comme c'est impressionnant. Donc là, malheureusement, l'orage est en train de partir trop à l'est. Mais il est en train de passer du côté de la Corrèze. Là, il remonte vers la Corrèze, le nord du Massif central. Ça va se diriger vers la Bourgogne. Voilà, il a une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Je vais pas pouvoir le, je vais pas pouvoir chasser ça, malheureusement. Ça va faire trop loin. Et de toute façon, j'aurai pas le temps. Donc je surveille par contre ce qui est en train de remonter en direction de Brive, hein, dans un flux de sud-ouest. Parce que ça pourrait éventuellement m'intéresser là dans les prochaines minutes, prochaines heures. Donc là, je filme. Voilà, hein, je continue de filmer. Là, ma vidéo est toujours en cours. Mais là, l'activité électrique est insolente. Hein, c'est quand même. C'était pas prévu. Alors pas du tout. Ça ne fait pas. Il y avait un petit risque de cellules potentiellement, hein, localisées sur le Limousin. Mais là, on est clairement sur une super cellule. Hein. Là, à 50-60 km d'ici, ça doit être un bordel, pas possible, hein, ce qui se passe. Hein. On est clairement sur une super cellule là pour moi. Hein. Compte tenu de la tronche. De ce que j'ai vu sur les radars, là, de la tronche du bazar, c'est une super cellule. Hein. C'était pas du tout prévu. Donc voilà, bah, j'attends, hein, je continue, je reste ici. Ouf, oh, ça a flashé. Allez, chier, putain, je vais me prendre la saucée. Bon, allez, un impact. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est en train de se réactiver juste devant moi là. C'est arrivé d'un coup, là ça y est, ça monte d'un cran. Sortir, c'est par là. Je me décale parce que si ça doit sortir, je pense que c'est par là. Je me fous de là. Wouah! Magnifique! Je le savais! Je le savais, je le sentais qu'il allait tomber par là. Ah, puis encore un. Je l'ai pas eu celui-là. Bon, ben voilà les amis, fin de la chasse. Il est 1h15 à peu près. Donc là, ben, je redescends du Mont Gargan et puis je vais rentrer chez moi pour aller dormir. Voilà. Donc ce fut quand même sacrément électrique, hein, comme vous l'avez vu. Voilà, avec une ambiance vraiment très sympa. Malheureusement, bon, bah, la super cellule est passée trop à l'est. J'ai pas pu aller la chasser correctement, hein, c'était trop loin. Voilà, après par la suite j'ai eu quand même quelques cellules, quelques petites cellules, hein, localisées, où ça a bien flashé encore, hein, où j'ai pu avoir même un impact, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Qui était quand même assez proche, assez. Il était pas mal du tout, une belle capture.
Donc voilà. Mais même si ce n'était pas prévu, en tout cas, je surveillais quand même, hein, mine de rien, les radars, parce que en rentrant de vacances, enfin, du coup, je suis revenu de la cano là en fin d'après-midi, il faisait tellement lourd, chaleur tellement moite, il y avait de l'humidité, il y avait des cumulonimbus qui bourgeonnaient dans le ciel. Je regardais et tout, je me disais, c'est pas possible qu'il y ait rien. Donc je me suis tenu prêt quand même, parce que j'aurais pu finalement. Ne rien pouvoir filmer, j'aurais pu rester chez moi, regarder la télé, ne pas surveiller les radars, hein, si je m'étais fié aux prévisions, hein, parce qu'il n'y avait absolument rien de prévu, hormis peut-être en deuxième partie de nuit, enfin à partir de 2-3 heures du matin, petite cellule peut-être qui aurait pu passer localement. Mais je le sentais, je me suis dit, bon, je m'attends quand même à quelque chose. C'est pas spécialement prévu, mais pour moi, tous les indices étaient réunis pour qu'il y ait quelque chose. Il faisait quand même très lourd, très chaud, il y avait de l'humidité. Et comme je vous le disais, ça bourgeonnait quand même pas mal dans le ciel. Ça montrait quand même il y avait de l'instabilité. Donc j'ai bien fait d'écouter mon instinct, parce que du coup, c'est ce qui a fait que j'ai pu me préparer quand même et aller chasser donc ces orages. Voilà, donc ce fut quand même une chasse, je pense, concluante. Hein. La quatrième au Mont Gargan. Les trois premières, je me suis pris un flop, enfin trois flops, coup sur coup. Là, c'est la quatrième fois que je chasse au Mont Gargan et enfin j'arrive à voir quelque chose. Voilà, donc c'est bien, je suis globalement content et satisfait de cette chasse aux orages. Allez, bien sûr, on va rentrer.